Voici l'histoire de Monsanto, entreprise chimique créée en 1901 au cœur des États-Unis. Moi qui se place très vite sur le marché de l'industrie, elle envahit avec les PCB. Oh, produits chimiques toxiques pour le corps, mais c'est scientifique. Depuis 1937, ça fait déjà que ça serait nocif, mais ils déversent quand même leurs produits dans un quartier peuplé majoritairement de noirs. 3516 personnes se plaignent de cancer, on les dédommage à 700 millions de dollars. C'est facile quand on a l'argent, mais on ne peut pas racheter la tristesse de vie perdue par un seul versement. Comment peut-on faire confiance en ces charlatans? Au départ, ils nous ont fait croire que leur but était de lutter contre la famine. Nous avions une lueur d'espoir, mais sache que constamment ils nous contaminent. Pour l'argent, ils sont prêts à éradiquer, jouer avec l'humanité. La réalité, le cancer pour tous, je vis dans quelques années. Au 21e siècle, Monsanto a mis la main sur la semence du monde. Avec leurs plantes OGM, ils remplacent toutes les vraies plantes qui deviennent leur nom. Vicieux, rêver le plan. C'est un shit d'engraine, tu es obligé d'utiliser leurs désavants. Soutenons le Roundup, les agriculteurs n'ont pas le choix que de l'acheter. C'est pire que de la dope, mais aucun test n'a été fait sur l'homme. Car c'est ces mêmes fruits et légumes commencent tous les jours qui nous empoisonnent. Car les faits prouvent que certains animaux meurent après le jet de ces pesticides. Un enfant qui traverse régulièrement ses récoltes à les pieds dévorés comme s'il y avait de l'acide. Mensonge, leurs produits sont nocifs. Alors je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? Au départ, ils nous ont fait croire que leur but est de lutter contre la famine. Nous avions de la lueur d'espoir, mais sache que constamment ils nous contaminent. Pour l'argent, ils sont prêts à éradiquer, jouer avec l'humanité. La finalité, le cancer pour tous, je prédis dans quelques années. Le 26 janvier 2007, Monsanto est condamné pour publicité mensongère. On se rend compte dans cette affaire qu'ils savaient déjà que leur produit était toxique. Vous c'est maléfique, tragique, mais tout ce qui les intéresse, c'est le prix. Des scientifiques dans le monde sont révoltés, mais ont été vite évincés. En Écosse ou en Italie, certains chercheurs qui voulaient faire des tests ont été virés. Le secrétaire à l'agriculture de Bill Clinton, lui, le savait qu'il était dangereux de mettre ses produits sur le marché, car il disait qu'aucun test n'avait été fait. 5 fruits et légumes par jour, mes idiots, car je ne veux pas manger les cochonneries de Monsanto. Blah!